Juin, après l'orage. Cette nuit, le tonnerre a fracassé la montagne. Les gouttes drues semblaient entamer la tôle du toit de leurs picotements innombrables, entre crainte de la colère des dieux et fascination devant la puissance symphonique. J'écoutais, lové sous les draps, dans cette douce sécurité du nid apaisant. L'eau déferlant entrait dans mes cellules, lavant chaque pore de ma peau en dedans. Une coulée d'hydromel, douce fontaine de jouvence, annonçant le prochain répit. Ce matin, la lumière est si claire. Déjà, le monde gazouille et s'amuse. Une famille de dromadaires, poursuivie par un éléphant, aussitôt transformés en lapins géants, s'offrent en cocasses par idolie. Le chat ronronne et tout mon être sourit. Récit de voyage 4. En 7, Népal, la traversée de Sompai Nipalaya. Il a vu le jour au pied des contreforts de la grande Himalaya. De son enfance, il lui reste le scintillement des eaux claires de la rivière de Karnali et les éclaboussures joyeuses. Ensuite, le combat quotidien. Au premier pas forcé dans le désert froid des montagnes, à traverser coûte que coûte, sans halte et sans trêve, frugalement rassasié de mousses et de lichens, piqué par les morsures des moussons glacés, en quête d'un abri pour chaque nuit, recommencer chaque jour. Comment penser à vivre quand la survie s'impose? Un jour, qui suit tant d'années resserrées sur l'effort, il s'assied au pied d'un arbre et contemple le monde, apaisé, la vie. Cycle des énergies. Muladhara, chakra racine. Je suis assise sur la terre rouge, souple et tiède sous mon séant, mêlée de fer et d'argile. Depuis l'âtre contact entre mon corps et la matière qui me porte, je respire toute l'amplitude de cet espace, nimbé d'un halo pourpre, scintillant comme les mille feux d'un rubis. Dans la lenteur de ce temps immobile, s'étire de ma chair des racines tentacules, chevelure de feu, ondoyant, et bientôt épousant les strates les plus profondes du sol qui me soutient. Je deviens terra rossa, porphyre magmatique de la couleur de mon sang qui irrigue en canaux ma substance organique. Ô nourriture terrestre qui remplit de vie, d'ardeur, mon corps de chair, de terre et de matière. Ranger, déranger. Le réveil est outrageusement tardif et bouleverse déjà le planning anticipé la veille. Les poulets ont renversé la gamelle des chats, le café s'est essaimé, stérile, sur le carrelage. Le soleil doux se propose sur la terrasse et aussitôt assise, je rejoins au clos la mansarde douillette. Le lit est en désordre, mes pensées ébouriffées. C'est le jour du grand désordonnateur qui
qui me rend à ma liberté d'être chahutée, surprise. La vie est née du Big Bang et de la prolifération cellulaire anarchique, excessive, incontrôlable. La vie s'est chevillée à des corps célestes éparpillés. L'espace et le temps ont fait la couche de la résilience, nourrie de patience, de confiance. Je suis le fruit de ce chaotique miracle de l'existence. Un feu d'essence. Depuis ma toute première idée, à l'aube tremblante de ma conscience, j'ai répandu dans le paysage un paquet d'images en technicolor. De mes pensées effervescentes, dessiné des plans en 5D, crayonné des refs de scénarios aussi chiadés qu'un cluedo. J'ai cavalé sur mon échiquier, gardant en main un exemplaire du petit livre rouge de Sun Tzu. L'art de la guerre a mis le feu aux poudres de ses croyances accumulées depuis la toute petite enfance, pleines à craquer de leur importance. En ce matin calme et serein, je rassemble ce qu'il en reste, idées figées, pensées passées, avis jaunis, mots périmés, et je craque une allumette. Débroussailler, semer. Ce matin, j'ai chaussé mes sabots d'Hélène et posé dans ma brouette pelle, pioche et râteau. Puis je me suis rendue dans le jardin de mon âme pour y défricher l'inutile, débarrasser les mauvaises herbes, donner une bouffée d'oxygène à la terre écrasée par l'hiver aux pensées froides et glacées. Éclaircir çà et là quelques mottes encombrées. Une fois le carré retourné, j'y ai déposé le limon fertile de mes mélancolies, la peau usée de mes regrets, le riche substrat de mes hier décomposés. À la volée, j'y ai semé des graines de fleurs mellifères que bientôt les abeilles viendront féconder pour répandre dans le paysage l'exquise saveur de leur bouquet. Récit de voyage 5. An 9, l'enfant des nuages. Depuis son premier souffle, il respire les brumes ascendantes de la forêt nébuleuse qui couvre les flancs de la vallée haute de Chachapoya jusqu'aux crêtes de la forteresse de Kuelap. Sa peau claire rayonne dans le ciel cru d'été où sans relâche le grand condor danse, l'emportant dans des paysages d'autres mondes jusqu'aux plus éloignés confins de l'univers. Quand la nuit approche, il demeure immobile, debout, dressé au bord des vertigineux précipices, son amoureux regard dédié à Chukinkikai, l'étoile étincelante où vivent les dieux, au cœur de la constellation du lion. Ici, en bas n'existe pas, et la route est longue pour sentir la pluie des nuages d'en haut.